Salut chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de cette aventure hardcore, toujours à ma compagnie. À l'épisode 3 on s'était laissé là, alors là ce que je voulais faire c'est que je voulais remonter juste pour voir un petit truc. Je sais qu'il y a... Ah, il y a déjà un squelette. Non. Voilà, meurt. Hop, hop, hop. Allez, on remonte. Il va y avoir pas mal de monstres, je pense. Ouais. Enfin, non, en fait, ça va. Ça va, ça va. Je veux juste voir. Ouais, je veux juste voir un truc, mais c'est bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner miner parce qu'il nous faut impérativement du diamant pour la table de craft. Et je vais en profiter pour manger. Ouf! Oh, il m'a fait flipper, lui. Attendez, parce que du coup, je viens de voir qu'il y avait un truc en haut. Y aurait-il quelque chose? Non, ça rejoint une sortie. Non. Voilà, comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, faut qu'on mange parce que sinon, on va mourir. Tac, 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 tac. Je voulais faire. Ok. Je ne sais pas par où ils arrivent. Bon alors, déjà, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ça peut être intéressant. Ok, bon, bah ça sort par là. C'est une bonne chose à savoir. Ok. Alors en fait, ok, bah j'ai une entrée là. Je pense que... Ouais, c'est bon, c'est pas mal. J'ai deux entrées. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer... Toi, je vais te tuer. Toi aussi. Voilà. Attendez, je regarde un truc. Ok. Je pensais que le smooth lighting n'était pas activé. C'est important parce que sinon, c'est assez dégueulasse. Bon, bah écoutez, on va les miner. Tranquille. Pépère. Il nous faut ma masse de fer. Là, ça descend. Ok. Alors. Déjà, ce qu'on va faire. Non, toi tu pars. Toi tu... non, je voulais pas prendre du gravier. Ouais, je sais pas si je vais commencer à partir par là. Du coup, ouais, il va tomber. Non, je vais repartir là-bas. Tranquille. J'étais organisé là-bas en fait. Donc du coup, je vais continuer là-bas. Je rejoindrai ça plus tard au pire. C'est pas très grave. C'est où? C'est où? C'est là. Ok, bon alors déjà, on va se faire... là, c'est notre petit abri à l'arrache. Donc écoutez, on rebouche pour la sécurité. Voilà. Alors, ce qu'on peut se faire, c'est déjà un four pour faire, pour se faire de la bouffe. Ensuite, j'ai... Alors attendez, 2 secondes. Je me fais une poubelle. Ouais, on va la faire là. Tac, toi t'es mort, toi aussi. Du coup, j'aurais pas assez de fer en fait. Donc, faut que. Attendez. Ouais, il me faut du fer, impérativement. Sinon, ça peut pas le faire. Monsieur jeu de mots, voilà. Bref, alors, je vais reprendre là où c'est que j'étais. Non, c'était pas par là. C'était par là. On va continuer l'exploration. Alors, je me rappelle que j'avais vu un truc. C'était là-bas. Là où il y avait des champignons, il y avait du fer et que j'avais oublié de le prendre. Donc on va essayer d'y aller
Ouais, on va essayer d'y aller. Je sécurise là. Ok. Tranquille, tranquille, hop, hop. On part et on tire, voilà. Technique ultime. On sécurise parce qu'il y a pas mal de squelettes et le squelette c'est vraiment le pire parce que c'est mon pire ennemi. Je vous rappelle que dans l'épisode 3 j'ai fait me faire tuer. Ce qui est vraiment pas très cool. Bon ok, j'ai sécurisé là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir là-bas. Je veux juste te tuer toi. Voilà, comme ça on est tranquille. Je vais bouffer un petit peu aussi. Attendez, il y a beaucoup de mobs. Je vais vous baisser juste un petit peu. Voilà. Alors, j'ai plus d'épée. J'ai vraiment plus d'épée. Donc ce qu'on va faire, c'est s'en faire une autre. Hein. Hop. Voilà. Une nouvelle épée, toute neuve. C'est parti. Et on va partir à la conquête de fer et de diamants. Voilà. Ça, je ramasse pas. Alors, il n'y a rien là. Ouais, c'est bon. Alors, nous sommes à la couche 39. Et j'ai pas trop envie de m'aventurer dans la caverne pour l'instant. J'irai plus tard, je pense. J'ai plutôt fait un truc optimisé. J'ai pas sécurisé là. Non. Il y a un spawner là, c'est obligé. Remarque, je me fais de l'XP, donc c'est pas un souci, sachant que c'est que des zombies. Hop. Je veux pas qu'il passe par là. Donc je sécurise, voilà. Comme ça me permet de me repérer par rapport où c'est que je suis. Je viens de là. Ok, c'est bon. Putain, j'avais pas vu. Ok, bon. Heureusement qu'on a une armure. Ouais. Heureusement qu'on a une armure. Du coup, bah écoutez, je vais continuer par là puisque ça descend. Juste prendre ça. Ok, alors ce que je voulais faire aussi, c'est. Vu que. Là, ça descend. Aussi. Mais j'ai peur et je me chie littéralement dessus. Ok, les zombies viennent de là-bas alors. Deux secondes, je vais plus sécuriser. Ok, alors là, on va mettre de la co bleue. Là. Parce qu'ils viennent de là. Lui, je sais pas d'où il vient. Ok, il vient d'en bas. Ils viennent d'en bas, ils viennent d'en bas, ils viennent peut-être de là, ouais. Ouais, ils doivent venir de là. Donc du coup, alors, pour être plus en sécurité, on va faire comme ça. Non mais il faudrait qu'ils arrêtent de spawn là, franchement, parce que. Ok, un squelette, 2 secondes, 2 secondes, je régénère. Je régénère, je régénère. Écoutez, je viens de penser à un truc. Penser à un truc. Parce que je pensais que c'était vraiment dangereux. Donc du coup, je vais. Pendant qu'il fait jour, je vais. Attendez. Ouais, il fait encore jour, j'ai à peu près 1 minute, je vais continuer vite fait la maison. Et puis on va se faire une mine optimisée plutôt. Parce que. Enfin là, ça devient. J'ai vraiment pas envie de mourir. On sera en survie, j'aurais tenté le coup. Mais là, je préfère vraiment pas. Donc on va remonter, tranquille. De toute façon, s'il fait nuit, on a la possibilité de dodo. Donc c'est vraiment pas un souci. Et puis voilà. Ah ok. On va continuer cette maison, qui est pour l'instant une épave.
Écoutez, la nuit va tomber. La nuit va tomber, donc on va repartir miner. Hop là, comme ça. Je finis juste le contour de la maison. Et puis on repart miner. Toi, je t'ai fait comme ça. Ouais. Et là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Ça me va. Ça me va, ça me va. Je laisse ça pour l'instant. Et puis on va les miner. Là, en dodo, tranquille. J'aime pas trop quand il fait nuit, ça me fait assez peur. Non, je vais pas faire ça. Ok. On est bon, alors on va miner, je sais pas du tout. Je vais aller partir là-bas, t'es. On va aller là-bas, on va miner sous nos pieds, tranquille. S'il frappe, ça peut arrêter de friser aussi, ça serait vraiment cool. On a la forme de la maison, pas mal. C'est ce que je voulais pas un truc super, super truc de fou, quoi. Sais, tu m'as pondu un œuf, toi. Je vais miner, je sais pas. Je sais pas du tout. Par là, pourquoi pas? Why not? Attendez, là, c'était mon abri quand il faisait nuit. Ah ouais. Mais attendez, on est à la couche. Non. Ok, alors. Miner par où? Je sais pas du tout. Écoutez, il faut bien commencer quelque part. Alors, je vous propose de commencer ici. Voilà. Ça sera notre mine optimisée. D'ailleurs, pour la repérer, ce que je vais faire, c'est directement mettre plein de torches autour. Voilà, comme ça sera par là. Et on descend, on s'enfonce dans les ténèbres. Non, toi je t'ai cassé, je voulais pas. Voilà, hop. Il nous faut du fer. Eh mais attendez. Ah oui, ok. J'ai cru que j'avais laissé un coffre de fer dans la mine alors qu'il est à la maison. Et du coup, j'ai oublié de le prendre. Mais là, ce qu'il nous faut, c'est du diamant pour une table d'enchant. Alors, ce que je compte faire, en fait, c'est faire des livres. Enchanter ces livres et fusionner avec mon arc, puisque je veux bien... Bah, une épée aussi, mais une épée en diamant. Je me faire une armure en diamant, je sais pas. Ça dépend si je suis plutôt lucky ou pas lucky. On verra. Comment ça se présente. Puis voilà. Alors là, on est à la couche 43. Ça va doucement. Lentement mais sûrement, écoutez. Et sinon, j'espère que vous accrochez bien à cette série, parce que je vous ai pas vraiment demandé. C'est une série hardcore. En principe, ça peut être pas mal, le hardcore. Encore faut-il survivre. Si on meurt au bout de 5 épisodes, c'est pas forcément intéressant. Je prends le charbon pour l'XP. J'en ai, mais... Ouais, remarque, ça peut toujours me servir. Voilà. C'est bon, on va pas s'attarder sur le charbon. Déjà que c'est assez long pour miner. Non. Ma pioche va casser. Et j'ai pas de fer, bien sûr. Ça, j'ai vraiment pas de chance. Allez. Ok, alors là, on va chercher le fer, on va se faire une pioche, on va continuer vite fait à miner pendant le peu de temps qui nous reste. Le diam, c'est vraiment la base pour continuer, parce que si je trouve pas de diam, je pourrais vraiment pas faire ce que je veux. Hop. Toi, je veux bien.
Attendez, attendez, je réfléchis vite fait à un truc. Si je fous une table, là. Là. Je regarde juste un truc, hein. Ouais, mais du coup, il m'en faut trois. Non. Je vais faire une enclume, mais je peux pas là pour l'instant. Bon, bah c'est pas grave. On va déjà faire une. Tac. Tac. Non. Ok. Mais je voulais pas faire ça en fait. Ouais, là je suis vraiment. Je vais faire vite fait un petit coffre. Hop là, alors ça pour plus tard, 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 ça pour plus tard aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça. Voilà, hop, hop. Ça, je m'en balance, ça aussi. Le seau d'eau, c'est important. Le fer. Je vais garder ça. Et puis voilà. Je vais faire une pioche. Et puis voilà. Ça, la viande de zombie, je m'en fous. Et puis voilà. Notre inventaire est propre. Première partie. J'ai oublié de poser le cuivre. Bon, c'est pas grave. Alors, nous sommes à 18 minutes. On aura à peine le temps de miner. Je suis vraiment désolé. Là, on va vraiment rester sur le minage pendant deux épisodes. Vraiment. Donc là, c'est le. Combien d'épisodes? Quatrième, je crois. Ouais, je crois. Donc je pense que jusqu'au cinquième, on va. Voilà, donc fin quatrième et cinquième, on va rester sur du minage, je pense. Parce que là, il faut vraiment qu'on trouve des ressources. Il faut pas que je m'attarde à l'extérieur. Faut vraiment que je me concentre sur le minage. Alors, on continue vite fait. Alors attendez, je vais pas m'organiser comme ça. Voilà. Hop là. En même temps, ça nous fait du flint pour les flèches. Me dites pas que je vais tomber sur une caverne là encore, hein, parce que j'en ai plus qu'assez. Hop là. Est-ce qu'il y aurait du fer derrière ça? Je pense pas. Non, je pense pas. Oh non, une caverne. Est-ce que vous êtes sérieux? En même temps, celle-là peut être intéressante. Celle-là peut être intéressante. Alors. Ouais. Toi, tu t'enlèves, s'il te plaît. Torche à droite pour se repérer, les amis. Petite technique, si vous ne connaissez pas. Ouh, nous avons un donjon, nous avons un putain de donjon. Sans coffre. OMG, what the fuck. Je le casse pour l'XP, t'as. Il faut l'XP, je le casse. Ok, bon, on est tombé sur un donjon. Celle-là me semble vraiment mieux pour... de caverne. Nous avons de la redstone. Et puis, une source de lave. Alors, ce que je vous propose, c'est de remonter en sécurité. Alors toi, tu te barres de suite. Non. Voilà. Écoutez, je laisse ça pour l'épisode 5. Petit mystère fort sympathique. Voilà, on reviendra ici pour l'épisode 5. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette en sécurité. Mystère pour le prochain épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu, sachant qu'on a absolument rien branlé. Vous pouvez le dire dans les commentaires, on a absolument rien branlé. On se laisse ici. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, d'aimer la page Facebook pour être au courant des actualités, de commenter, de partager la chaîne à vos amis Minecraftiens. Et puis moi, je vous dis prenez soin de vous au prochain épisode, épisode 5, oui, à l'épisode 5. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!